Dans la vie, il y a les personnes qui détestent parler de la mort et il y a les autres. Parmi ces derniers se trouve Patrick Sébastien. À 69 ans, l'ancien animateur phare de France Télévisions a conscience que la vie peut s'arrêter d'un jour à l'autre, sans prévenir. Il est bien placé pour le savoir puisque lui-même a perdu son fils Sébastien à l'âge de 19 ans. Cet épisode traumatisant de sa vie, Patrick Sébastien ne l'oubliera jamais. Plusieurs fois, la star du petit écran a pensé à la mort. Il a même tenté de se la donner à plusieurs reprises, sans avoir, et heureusement, le courage d'aller au bout. Mais pour autant, si un drame venait à lui arriver, ses proches n'auraient plus grand-chose à organiser pour le jour de ses obsèques. Comme il l'a si bien fait savoir dans l'émission En aparté diffusée ce mardi 3 janvier sur Canal+, il a déjà tout prévu. Si est-y dans le village de Martel dans le Lot-et-Garonne si cher à son cœur, que Patrick Sébastien sera inhumé puisqu'il y a acheté une concession. Ce n'est pas pour que les commerçants du village me fassent des avances en fonction de l'influence qu'il y aura plus tard, a-t-il indiqué, allant même jusqu'à prononcer l'épitaphe qu'il fera inscrire sur sa tombe une fois que son heure sera venue, si est-il une phrase de Jacques Brel qu'il a prononcée 10 minutes avant sa mort, à l'hôpital de Bobigny, « Si vous m'aimez, fermez vos gueules ». Patrick Sébastien, confronté à la mort il y a quelques jours dans l'émission Le Grand Bluff, 30 ans déjà, dans laquelle il bernait des animateurs en se faisant passer pour des candidats de leur émission, Patrick Sébastien revenait sur la tragique disparition de son fils dans un accident de moto survenu en Camargue. Il n'avait que 19 ans et s'apprêtait à devenir papa 5 mois plus tard d'une petite fille prénommée Marie. Cette épreuve, l'ex de Nathalie Boutot ne s'en est jamais vraiment remis. Toujours dans l'émission anniversaire de son programme phare, il est revenu sur le jour de l'identification du corps de son fils, mission quasi impossible pour lui, je n'ai pas voulu reconnaître le corps à la morgue. Dans mon subconscient, j'ai toujours cette idée que ce n'était pas lui, confiait-il aux caméras de C8. Si est-il d'ailleurs en pensant reconnaître son fils 2 ans après sa mort qu'il a eu l'idée du grand bluff. Il a même prévu de faire rapatrier le corps de son fils à Martel pour reposer à ses côtés à tout jamais.